Bon, là, je montre une maison à une cliente qui veut acheter une maison ici. Elle est très spacieuse. Bon, je vais montrer une chose rapidement que je voulais expliquer. Cette chambre, vous pouvez voir, puis regarder un peu, elle est hyper spacieuse. Donc, ce qu'on peut faire ici, comme je le disais à peu près, il peut faire une douche ici très facilement. Il peut soit faire la douche vers ici, il y a une fenêtre qui est là, faire vers là-bas, ou simplement enlever l'un des placards et faire de cela une douche. Mais nous, par exemple, ici, il y a suffisamment d'espace. Dessus, quoi, il y a un placard de ce côté, de l'autre côté. On peut l'enlever complètement et faire de ça une douche complète. Ce qui fait que cette chambre aura sa douche complètement. Mais encore plus important, c'est quoi? C'est que juste au milieu ici, il y a une petite douche qui est partagée entre ces deux chambres. En passant, la chambre de ce côté a sa propre douche. La chambre, sa propre douche. Donc, on va voir comment ajouter une douche de plus afin d'augmenter la valeur de la maison. Donc, la douche est là-bas. Ici, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de fermer ce mur complètement. Et quand il ferme ce mur, c'est-à-dire qu'il enlève la porte, il ferme le mur, il va bouger la toilette et le lavabo pour les mettre vers ici et faire une reconfiguration rapide. Et pendant qu'il fait ça, il va venir en même temps ici et venez voir. Venez, venez. Et ici, c'est la douche qui est de ce côté. Simplement de faire une ouverture afin de créer une porte pour que cette chambre puisse avoir sa propre douche. Donc tu viens, tu te lèves. Tu pars dans la douche ici, avec la porte. Il fait une porte ici. Ici, le mur est fermé complètement. Ce qui fait qu'en fait, c'est rien que accessible de cette chambre. Et dessus, quoi? Dans cette chambre ici, elle est très spacieuse. On peut mettre la douche là où on veut. C'est vrai que la tuyauterie est de ce côté. On peut faire la douche ici. Ou on peut simplement la faire ici, mais ici c'est un peu plus coincé que l'autre côté. C'est mieux de la faire là-bas. Bon, pour bouger un peu la tuyauterie, c'est tout, ça va aller, ok. Alors, quand on prend une maison, il faut faire un peu attention. Surtout quand on a beaucoup d'espace et pas suffisamment de douches, on peut réconfigurer un peu. Et quand on met une douche dans une maison, ça augmente la valeur de la maison. Là, présentement, chambre, je pense que ça fait présentement 1, 2, 3, 3 chambres de douche. On ira à 3 chambres, 3 douches. Chaque chambre aura sa douche. Merci beaucoup.